À la fin du XXe siècle, l'empire de Mugi attaque la Terre. Leur technologie est bien supérieure et l'armée terrienne subit de lourdes pertes. Heureusement, les militaires, avec l'aide du professeur Hatsuki, ont mis au point 4 machines de forme animale, un aigle, piloté par Shinobu, un guépard, piloté par Sara, un lion, piloté par Masato, et un mammouth, piloté par Ryo, qui, une fois combinés, doivent former le puissant robot Dan Cougar, capable de repousser les envahisseurs. Néanmoins, parmi les terriens se trouvait aussi Shapiro Kitz, supérieur de Shinobu et fiancé de Sara, qui décide dès le début du conflit de trahir les siens pour aller rejoindre les Mugi. Dévoré par le pouvoir, il compte bien les trahir lui aussi un jour ou l'autre afin de conquérir l'univers. バイオハイテックが新しいファイティングメカを生んだ。ランドライダー、イーグルファイター、ビッグモス、ブラッククーガー。マシン、アニマル、ロボットタイプにトリプルチェンジ。超獣合身ダンクーガー、発売中。Il y aurait pas mal à dire sur Dan Cougar, qui accumule les anecdotes. Déjà, alors que la série était prévue pour 4 arcs pour un total de 52 épisodes, elle fut raccourcie à 3 arcs pour 38, ayant eu du mal à trouver son public. En fait, elle a plutôt bien marché auprès de certains fans, mais qui n'étaient pas forcément le public visé, dont un public féminin, notamment grâce au personnage de Shapiro. Dan Cougar puise un peu une partie de son inspiration dans God Mars, qui mettait en avant certaines relations affectives. Et c'est effectivement le cas ici aussi. Pour simplifier, on a Sara qui est amoureuse de Shapiro. Ce dernier lui laisse quand même une chance de partir avec lui pour rejoindre Mugi, ce qu'elle refuse catégoriquement. Et ses sentiments vont peu à peu se transformer en haine au fil des épisodes. Shinobu est amoureux de Sara, mais dont le cœur est encore à Shapiro, donc elle ne peut répondre à ses sentiments. Masato, le plus jeune du groupe, est plutôt du genre coureur de jupons, mais il finira par trouver le grand amour. Ryo, enfin, rencontrera sa future épouse durant la série. On pourrait aussi parler de Luna, une Mugi qui en passe pour Shapiro, mais qui, pour ce dernier, ne semble rien représenter d'autre qu'une partenaire sexuelle, ou de Alan, le fils du général Eagle, dont les relations avec son père sont plutôt conflictuelles. Toutes ces histoires de cœur ont fait que les téléspectateurs les plus jeunes ont décroché, ceux qui sont censés acheter les jouets en priorité, donc. D'où l'arrêt de la série à long terme. Autre particularité, d'habitude dans les groupes de héros, on a toujours au moins un de type tête brûlée qui n'en fait qu'à sa guise. Eh bien dans Dan Cougar, ils le sont tous les quatre! Même si Ryo est quand même un peu plus réfléchi que ses compagnons. Ensuite, Dan Cougar fait partie de ces rares robots animés de cette époque à être clairement orienté plus super que Ryo, notamment par ses antagonistes extraterrestres bien méchants. Si Shapiro ne les avait pas rejoints, ajoutant ainsi une réelle plus-value à l'histoire, on peut d'ailleurs sans doute dire que c'est le personnage le plus intéressant. Ils auraient pu presque provenir d'une série de Gonagai. Shapiro est assez fascinant, et en même temps, on a rarement vu un méchant aussi ambitieux. Dans un épisode, il dit qu'il admire Alexandre le Grand et Napoléon, mais que, comparé à ce qu'il compte devenir, ces deux conquérants deviendront insignifiants. Les combats, eux aussi, sont là avant tout pour le spectacle, on ne s'embarrasse pas d'un quelconque réalisme. Même si, hélas, le Dan Cougar assemblé débarque incroyablement tard, au 16e épisode sur 38. Je crois que dans l'histoire du robot animé, on n'a jamais vu ça. On comprendra alors les gamins qui voulaient voir de la baston de robot finir par zapper. C'est d'autant plus dommage que LA grande force de l'animé, c'est son mecha design, signé Masami Obari, le dieu des méca designers, dont c'était ici le premier travail, alors qu'il n'était encore âgé que de seulement 19 ans. Avoir confié une telle responsabilité à quelqu'un d'aussi jeune, qui plus est au Japon, prouve bien que c'est un génie dans son genre. Le character design, lui, est plus classique, mais il faut savoir que pas loin de 6 character designers ont officié sur la série, ce qui est quand même énorme. Quant à la bande-son, les BGM sont très sympathiques, mais si les endings sont bons, les openings, eux, sont vraiment pas terribles.
ou en tout cas beaucoup trop doux pour ce genre de série. Les quatre seiyuu principaux ont également poussé la chansonnette et même donné un concert live, édité en album. C'est rare sur du robot animé. Toutefois, cela ne suffit pas pour faire de Dan Cougar un bon animé. Il y a de bonnes idées, de bons designs, mais... qu'est-ce que c'est chiant ! La plupart des épisodes sont ennuyés à mourir avec des histoires fort peu palpitantes. C'est pas du niveau des G9, mais bon... je me suis emmerdé grave devant Dan Cougar. Heureusement qu'il y a l'AVF, dont je reparlerai plus tard. La série se finit de manière assez abrupte et incomplète. Aussi, pour satisfaire les fans, sort un premier OVA en 1986, Requiem for Victims, qui permet d'avoir une véritable conclusion, mélangeant des séquences reprises de la série et des nouvelles dessinées pour l'occasion. Ce sera également la première apparition de la Dan Kuken, l'attaque emblématique du robot, qui n'y avait même pas eu droit dans la série. En 87, on a droit à un nouvel OVA, God Bless Dan Cougar, qui se déroule un an après Requiem, avec un nouveau méchant, l'Empire Mugi ayant été vaincu. Initialement prévu comme un film cinéma, cette histoire fut finalement proposée en OVA, sans doute pour des raisons de budget. Et si techniquement ça passe, là encore l'histoire n'est franchement pas folichonne. On retiendra néanmoins un concert donné par les héros, et à la toute fin un baiser entre Shinobu et Sarah, bien que non consenti pour cette dernière. Cette scène aurait peut-être du mal à passer de nos jours. En 89, une nouvelle série d'OVA en 4 épisodes cette fois, Hakunetsu no Shusho. Aïe 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 aïe. Niveau scénario, c'est juste une catastrophe. Passe pour les nouveaux envahisseurs, les Dilado, mais sachez que Masato se fait quasiment tuer et n'est plus en état de piloter. Qui va alors prendre sa place ? Shapiro, qui a été ressuscité par les méchants, mais qui finira par changer de camp avant de remourir à la fin. C'est un véritable massacre en règle de ce qui avait été établi jusque-là. Vraiment la suite de trop. Passe encore pour God Bless, mais celui-là a définitivement porté le coup de grâce. Il y aura bien encore une ultime aventure de nos héros, mais sous forme de roman, en 1990, qui, d'après ce que j'ai compris, oppose nos héros à des néo-nazis s'étant emparés de technologies extraterrestres. Et je ne sais même pas si le robot entre en action. C'est de l'acharnement thérapeutique à ce niveau-là. Ensuite, on a deux autres œuvres estampillées Dan Cougar, mais qui ne sont pas directement liées à l'histoire originale. Dan Cougar Burn, un manga en deux volumes de 1997, qui reprend le concept de base, mais en changeant les personnages. Dan Cougar Nova, une série télé de 12 épisodes en 2007, qui se déroule dans le même univers, mais 200 ans après, donc sans grand rapport. Et j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Un mot sur la version française maintenant. Bien que les 38 épisodes furent a priori tous doublés, seuls les 15 premiers furent diffusés, une unique fois, en 1991 dans le Club Dorothée. C'est ballot, hein, juste au moment où le Dan Cougar rentrait en scène. La série ne fera pas long feu, tout comme Toby Kage à peu près à la même époque, et fait partie de ces séries maudites de l'émission qui ont tout de suite été sacrifiées faute d'audience suffisante. Mais ce n'est pas de cet aspect dont je désire parler, mais plutôt de sa fantastique VF. D'une part, nos héros prennent des prénoms bien de chez nous. Et si Sarah reste Sarah, on comprendra facilement pourquoi, Shinobu devient Alexandre, Masato Maximilien, et Ryo Gérard. Oui, Gérard. Maurice Sarfati serait-il dans le coup ? Mais ce n'est pas le mieux. Car grosso modo, l'équipe de doublage est la même que celle de Ken le survivant. Bon alors d'accord, ils ne disent pas autant de conneries, sinon cela aurait rendu Dan Cougar probablement bien plus culte auprès du public francophone qu'il ne l'est. Mais certaines répliques sont effectivement l'impro faite pour déconner, et le simple fait d'entendre ses voix empêche de pouvoir se concentrer sérieusement sur l'histoire. Nos assaillants sont constitués en groupes d'assauts spéciaux. Ils sont que 4, mais ils sont terriblement efficaces. Comme vous pouvez le constater, mon général, il y a un super tank et deux autres tanks plus légers, pilotés chacun par un terrien. Leur quatrième élément est un canon de combat qui n'a pas participé. Ça n'est pas le genre de détail que je vous demande. Je suis désolé, pardonnez-moi, mon général. Continuez. À vos ordres. Bon, alors, chacun de ces éléments, c'est-à-dire les trois tanks et les canons de combat, ne présente aucune différence, tout au moins apparemment avec les autres engins militaires que les terriens utilisent. Ils ont cependant une particularité, chacun peut se transformer en bête sauvage.
Je n'ai rien compris à ce que vous dites. Mais si, voyons. Et cette bête sauvage peut prendre la forme de son corps. C'est-à-dire que son corps peut acquérir sa force et son instinct d'animal sauvage, si comprends. Vous voyez. Alors devenant ainsi une arme sophistiquée d'une agressivité, d'une violence primitive, son général. M'énervez pas, hein, mon général. Comment? Mais qu'est-ce que vous attendez pour remédier, imbécile? Ah ben, nous faisons le maximum, mon général. Enfin, je veux dire l'impossible pour percer le secret de leur technologie, mon général. Mais hey, jusqu'à présent, nous manquons encore de données complémentaires pour y parler. C'est inadmissible. C'est une honte insupportable que vous vous soyez laissé battre par ces quatre fantoches. Je veux qu'ils soient anéantis, vous entendez? À vos ordres, mon général. Afin de m'assurer que cette tâche sera bien accomplie, je commanderai moi-même l'opération. Oh, quelle chance pour nous, mon général! Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas revu. Gérard, mais c'est extraordinaire! Gérard, tu es ici depuis combien de temps? Si tu es pressé de me voir repartir, cela rend l'animé plus agréable à visionner en VF, car moins chiant qu'en VO. Hélas, il fait partie de ces séries jamais éditées en DVD, et je doute qu'elles le soient un jour. On peut trouver genre les 12 premiers épisodes sur le net, mais ça ne va pas plus loin. Mais, encore une fois, le entre guillemets vrai Dan Cougar en VO, c'est plutôt un ratage, malgré ses indéniables qualités esthétiques. Sorti de sa version française, je ne retiens véritablement que deux points très positifs de l'animé, son mecha design bien sûr, et le travail de Kazuki Yao sur le personnage de Shinobu, et son cultissime Yatte Yaruze, qu'il réutilisera dans des rôles ultérieurs. やってやるぜ。戦ったら負けたくねえ。エスガイア、重戦機で相手になってやる。覚悟はいいな。次回、超重機神ダンクーガ。燃えろ、重戦機。やってやるぜ。 いけないよ。